Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la carte Riverside 2022. Et franchement, une très belle petite carte, sincèrement. Elle est vraiment top top. Il y a beaucoup d'animations, etc. Mais on va voir ça ensemble. Alors ici, bon, ben voilà, vous avez le magasin. Oui, c'est parce qu'il s'est mis en enregistrement automatique, je suis désolé. Voilà, donc je vous expliquais ici, vous avez le magasin avec tous vos véhicules. Voilà, vous avez différents points de vente et points de production. Voilà, vous avez une pizzeria, vous avez un atelier de tailleur, une boulangerie, un point de vente pour les graines. Les produits laitiers, un négociant à bestiaux. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, le négociant à bestiaux, c'est vrai qu'il est un petit peu vide. Parce que bon, bah, vous voyez, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien par rapport à certaines choses. Et franchement, cette carte, elle est vraiment pas mal. Et on va voir ça ensemble. Voilà, ici vous avez votre propre ferme. Voilà, vers le champ numéro 9, vers le champ numéro 76. Voilà, le terrain il vous appartient à côté. Voilà, c'est un grand pâturage à vaches. Voilà, vous spawnez directement dedans si. Voilà, et vous pouvez mettre 200 vaches dedans, dans ce bâtiment. Il vous suffit de venir là, vers la barrière, d'ouvrir le menu animaux. Après, le petit truc qui est vraiment sympa sur cette map, c'est voilà, c'est ce petit bâtiment. Alors, vous voyez, ici, vous avez le logo maïs. Vous avez le logo soja, tournesol, colza, avoine, de l'orge et le blé. Et quand vous venez voilà, vider vos remorques ici, eh ben ça va directement dans le compartiment choisi qui va. Et il y a les buses après, ben vous servez, vous allez vendre dans vos différents points de vente. Voilà. Et le bâtiment à vaches aussi, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez allumer ou éteindre la lumière. Voilà, vous voyez, ça claire rouge. Et ce bâtiment-là, c'est un bâtiment avec robot. Donc il vous faudra remplir de foin de paille, d'ensilage et de complément minéral ici. Il ne faut pas oublier le complément minéral parce que sinon le petit robot là qui se trouve ici ben, ne partira pas pour aller nourrir vos animaux. Et juste pendant que voilà, on est dans les bâtiments là, il vaut mieux éviter de laisser quelque chose traîner parce que sinon le robot va être bloqué et vous ne pourrez plus rien faire. Ensuite, le BGA est vraiment pas mal. Il est vraiment, voilà, il est tout en bas de la carte. Il est là. Vous avez des grands champs, des moyens champs, des petits. Et ce petit BGA, voilà, il est vraiment sympa. Vous avez, voilà, bon, ben ici, vous venez décharger. Ici, vous venez, voilà, remplir vos bunkers.
ou vous pouvez remplir directement par l'arrière en venant ici. Et après, voilà, faire une petite manœuvre. Bon, bah, il faudra pas des grosses remorques, il faudra pas. Et franchement, c'est le premier BGA que je vois animé comme ça. C'est vraiment, ça fait vraiment réaliste. Et vraiment une belle petite carte. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le, comme vous pouvez le voir sur le PDA, vous avez un peu de tous les champs, de différentes tailles, de différentes formes, quelques zones forestières. Ensuite, le magasin, vous pouvez l'acheter. Voilà. Et si vous l'achetez, vous achetez, voilà, toutes les routes, toutes les usines, etc., les points de vente. Et comme ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez par exemple, je sais pas, je vous dis, si par exemple ici, vous avez par exemple, une boulangerie, puis que vous en servez pas, ben vous pouvez la supprimer sans problème. Voilà, ici, ben voilà, vous avez plein de petits. Après, normalement, ceux qui sont en. Si, ben ça aussi, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez vraiment acheter toute la carte sans aucun problème. Vous achetez tout ce que vous voulez. Et pour le matériel, alors vous commencez, voilà. Le matériel, tout se trouve ici au magasin. Donc après, ce sera à vous de jouer pour sortir les véhicules du magasin. Et ici, voilà, vous avez le point de vente, pas le point de vente, l'atelier pour réparer vos véhicules. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout en classe. Donc voilà, vous avez un classe à rayon. Vous avez un classe action 870, un classe action 960, un classe action 930 TerraTrak, un Xerion 5000 à anniversaire, un petit Valtra, une chargeuse sur pneus. Un télescope et une moissonneuse. Et ici, vous avez tous vos outils. Voilà, la charrue, vous pouvez les accrocher sans problème. Voilà, on va accrocher la charrue par exemple. Voilà, c'est tous vos outils. Après, si vous voulez tout changer les véhicules, ben vous vendez tout, etc., etc. Alors, vous voyez, vous avez une mélangeuse, une machine pour ramasser les balles, une faneuse, deux barres de coupe, voilà, une faucheuse, la circulation, etc. Vous pouvez faire après, il vous suffit simplement, voilà, de sortir le matériel du magasin.
Après, ils auraient peut-être pu faire une entrée un petit peu plus large. Parce qu'il y a des choses, à mon avis, elles ne passeront pas. Donc il faudra essayer de ruser un petit peu. Voilà, ben, ce qu'on pouvait dire sur la carte Riverside 2022. Et puis, ben, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un message ou un commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!